Début de saison et peut-être d'une grande aventure. Les joueurs commencent tout en bas de l'échelle. Ben, maintenant, à eux de rejoindre l'élite. Comme toujours, depuis plusieurs mois maintenant, on sera attentif au match de Kylian Mbappé. Il est promis au plus bel avenir. L'équipe à domicile, dont voici la composition. Je vous laisse découvrir l'organisation retenue par l'entraîneur. Un 4-5-1, on s'en souvient, c'est le système qu'utilisaient les Français en 98, mais aussi en 2006. C'est donc l'équipe visiteuse alignée par l'entraîneur. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Thank you. Enjoy the game. Coup de sifflet de l'arbitre, c'est parti. Et il envoie le ballon très loin. Et la touche, on a vu, le ballon a été dévié. Allez, qui va reprendre ce ballon? Lorient Tovin. Mbappé. Ah, et la bonne passe. Et ce but qui sera refusé pour un hors-jeu. Absolument, on voit l'arbitre assistant qui lève son drapeau. On va revoir hein, ce but refusé pour hors-jeu, pour se faire une idée. Et l'arbitre assistant qui semble avoir raison sur cette décision. Mbappé avec un tir, le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Denis Suarez, non, elle est interceptée. L'arbitre qui avait une faute dans la surface, et oui, c'est un penalty. Oh, c'est un penalty, c'est un penalty. Ils vont avoir une grosse occasion de prendre l'avantage. Oui, Hervé, c'est probablement le tournant du match. C'est pas posé de questions sur ce penalty. On voit ce penalty ralenti. Très bien tiré ce penalty, beaucoup de calme, bien joué. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Goal for the visitors, number 6, Florian Thauvin. Ah, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Florian Thauvin. C'est un centre pour Batshuayi. Ouais, c'est bien pris par le gardien.
réfléchit Batshuayi. Anthony Limbombe. Oh, c'est bien donné en profondeur. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. Intervention pour le coup, heureusement qu'il était là car il était temps. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque, voyons voir. L'arbitre qui fait signe de jeu. Ah, la passe en profondeur, attention. Oh, l'égalisation. Oh, l'égalisation. Voilà qui nous réserve une superbe fin de match. Action conclue avec cette très très jolie frappe. Très précise et qui passe à quelques centimètres du poteau. Trop dur pour le gardien. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Un but partout, les deux équipes dos à dos. Florian Thauvin, Denis Suarez. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Et la voilà la frappe. Le gardien qui se détend parfaitement bien. Le ballon sort en corner. Tireur qui a visé la zone du point. Et non, un manque de précision sur cette frappe. Une belle occasion de but, mais qui n'est pas cadrée. C'est vrai que le centre était bon. Il aurait pu s'appliquer un peu plus sur cette tête. Kimmich. Florian Thauvin. Kylian Mbappé. Michy Batshuayi. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Allez, corner donc. Le gardien qui s'interpose sur cette frappe lointaine. Oui, c'est bien d'avoir tenté, mais de cette distance, faut pas rêver non plus. Le gardien qui a bien eu le temps de voir venir ce ballon. Le gardien qui s'interpose sur cette frappe lointaine. Ah, bien frappé ce corner. C'est Andro Lopez. J'avoue que j'ai pas tout compris là sur le corner. J'espérais mieux, c'est sûr. Ah, c'est dommage hein, de rater une occasion pareille. Il parvient à reprendre ce centre de la tête, mais malheureusement, c'est pas cadré derrière. Kimmich. Florian Thauvin. Michy Batshuayi. Ouais, oh, bien joué, il était temps. On voit que l'équipe a décidé de faire bloc devant son but. Florian Thauvin. On a vu que le ballon avait été touché par le défenseur avant de sortir. C'est donc un corner. Le corner, le ballon en pleine surface. Il est en position pour centrer. Choisi la frappe, bien négocié par le gardien.
Kimmich. Florian Thauvin, Denis Suarez. Mbappé en profondeur, oui, bien vu. Et ça y est, le but. L'équipe qui prend l'avantage dans ce match, et c'est vraiment mérité au vu de ce qu'on voit depuis le début de la rencontre. Ouais, c'est la plus entreprenante des deux équipes, celle qui cherche, celle qui tente, qui mène au score, et c'est normal. En tout cas, ce but reflète la nette domination de cette équipe en termes d'occasion. Quand tu es à ce point supérieur techniquement, il n'y a pas de secret. Et 2 buts à 1 donc maintenant. Ouais, la passe derrière pour le gardien. Ouais, pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. Ouais, il donne de l'air à son équipe. Denis Suarez. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option. Hein, parce que le jeu, c'était pas là. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon refaire. Oh, que c'est bien donné ça. Michy Batshuayi. Allez, le centre maintenant. Ouais, bonne intervention, hein, des défenseurs loin devant. Denis Suarez, Kylian Mbappé. La frappe, c'est sans problème pour le gardien. C'est un boulevard là, qui s'ouvre devant lui. Ce sera sans problème, hein, pour le gardien. Il a bien anticipé là. Denis Suarez. Ils attendent une ouverture, hein, dans la défense. Ouais, c'était pas loin, hein, mais le ballon est dégagé finalement. Et 4 minutes de temps additionnel à jouer en plus. Kimmich. Michy Batshuayi. Denis Suarez. Et la voilà, la frappe. Le ballon qui change de position. Denis Suarez. Michy Batshuayi. Kylian Mbappé. Est-ce qu'il va centrer? À la position de hors-jeu. Position de hors-jeu pour Florian Thauvin. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Alors ça, c'est n'importe quoi cette passe. Et c'est la mi-temps, sifflé à l'instant par l'arbitre sur ce score serré, hein, de 2 buts à 1. Pierre, qu'est-ce qu'on peut dire sur la première période livrée par Michy Batshuayi? Ça lui dit son équipe est devant la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps. C'est reparti ici avec le coup d'envoi de cette seconde période. Les joueurs ont eu un peu le temps de souffler, puis surtout l'entraîneur a dû rectifier les petites choses qui n'allaient pas en première période. On écarte le jeu. Non, la défense va être sauvée car il y a un hors-jeu signalé par l'assistant.
interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Attention à la frappe. Et droit dans les bras du gardien. Facile. Un ballon trop facile à reprendre finalement. Perdu stupidement. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Et le but de Batshuayi. Eh bien oui, c'est son deuxième but personnel aujourd'hui. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Avec ce nouveau but, ça nous fait donc 3-1 maintenant. On s'approche du but. Le tacle est propre, le ballon toujours en jeu. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Ah, facile la récupération. Anthony Limbombe. Ah non, le ballon est perdu. Florian Thauvin. Péchi Batshuayi. Encore un bon ballon. Florian Thauvin. Ah oui, il a du soutien, ça peut être très dangereux. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Denis Suarez. Interception. Le centre, il a vu ses coéquipiers. Il se donne un petit peu d'air avec ce dégagement. Mbappé. Florian Thauvin. On va voir comment il va jouer ce ballon. En tout cas, il est dans tous les bons coups depuis un moment. Le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Ah ouais, c'est bien fait ça. Ouais, il a tout le couloir devant lui. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Dorian qui dégage son camp des deux points sur ce centre. Ah, ils étaient sous pression. Il dégage. Mbappé. Denis Suarez. Attention, il a du champ devant lui. La solution dans l'axe peut-être. Ouais, la frappe. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Avec un tir. Elle frappe contrée par le défenseur. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. C'est quand même étonnant ce qu'on voit, une équipe qui ne se livre. Le tir. Oh, attention, c'est pas fini. Mbappé. Ils vont pouvoir jouer la touche. On va peut-être assister à un changement. Un changement qui va peut-être obliger l'autre équipe à s'adapter aussi, on va voir. Ballon qui est sorti en touche. Remise en touche dans le camp adverse. Kimmich. Denis Suarez.
Anthony Limbombe. Allez, le centre maintenant. Et dégagement de la défense. Denis Suarez. Kylian Mbappé. Et le ballon dans les bras du gardien. Mbappé. Ils prennent leur temps. Attention à la frappe. Ouais, bonne prise de balle du gardien. Ouais, sans doute une mauvaise décision que de prendre ce tir lointain. Ouais, Willem passe directement à l'adversaire. Péchi Batshuayi. Ça aboutit finalement à cette perte de balle. Mbappé, Denis Suarez. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Tovin. Oh, c'est contré ce tir. Le ballon qui sort donc en corner. Un joueur qui sort sous une ovation. Il a fait un très bon match. Cette reconnaissance de ses supporters doit lui faire plaisir. Bien frappé ce corner. Lopez. 2 minutes de temps additionnel doit être annoncé. Allez, il peut relancer son équipe maintenant. Centre à destination de ses partenaires. Et la bonne sortie du gardien. Et voilà, c'est fini. Une saison qui ne pouvait pas mieux commencer avec cette victoire. Ils sont sur une bonne dynamique. À eux de confirmer ce résultat dès la prochaine journée. Pierre, en deux mots, le match de Michy Batshuayi aujourd'hui. Très bon match pour lui, avec un doublé. En plus, c'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand il enjambe comme ça. Donc, il peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait dans l'intérêt collectif. Ah ouais.